Aujourd'hui, je vais vous parler du DC Training, une méthode d'entraînement créée par Dante Trudel qui a été très populaire aux USA lors de l'émergence des premiers forums de musculation. Le DC Training, ou le Dog Crap Training de son nom complet, est donc un format d'entraînement qui vise à maximiser la masse musculaire en jouant sur la fréquence d'entraînement, l'intensité, la surcharge progressive et diverses techniques d'intensification. Si tu cherches à vraiment bien rentabiliser ton temps, ton argent et ton énergie investis dans la musculation ou le bodybuilding, t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode assez intéressante qui a créé beaucoup de masse monster dans le début des années 2000. Dans un instant, je vais t'en dire plus sur cette méthode du DC Training, mais juste avant, je vais te lire un des retours de notre plateforme dédiée au bodybuilding et à la musculation. Et cette semaine, le retour, c'est celui de Maxime. Vidéo excellente, j'ai appris des choses du début à la fin. Ça les gars, c'est la qualité des retours qu'on a parce que c'est la qualité du travail, des vidéos, des formations, des podcasts et des interactions qu'on fournit au sein de l'Aperium. Je vous rappelle, on a 8 coachs, j'ai sélectionné moi-même ces 8 coachs, chacun expert dans leur domaine pour vous offrir la meilleure expérience possible et les meilleures notions possibles. Je vous le rappelle les gars, on a seulement 500 places et chaque semaine on change radicalement la façon de travailler de certains coachs et la vision de la musculation et les progrès de beaucoup de membres qui nous rejoignent sur ce forum là. Je vous le rappelle, 500 places maximum, premier dans la bio. Assez frustré par les résultats qui jugeaient trop lents de la part de programmes traditionnels, Dante a décidé dans les années 1990 de créer sa propre méthode d'entraînement sur 3 piliers. L'intensité maximale, une fréquence d'entraînement accrue et une surcharge progressive intense. Son programme, initialement appelé Dog Crap Training, sur les forums a rapidement pris en popularité dès lors que ceux qui l'ont appliqué ont commencé à avoir d'énormes résultats. Et au fil des ans, la méthode de Dante a vraiment pris en popularité, à tel point qu'elle a inspiré beaucoup de grands noms du bodybuilding, tels que Steve Kuklo, David Henry, Jordan Peters et Scott Stevenson. Aujourd'hui, Dante Trudel est toujours très actif sur les réseaux sociaux avec notamment Instagram, dans lequel il partage beaucoup de conseils sur la longévité. Il est d'ailleurs lui, avec son physique très massif bien dans sa cinquantaine, un excellent témoin de cela. Maintenant, voyons un petit peu les principes du DC Training pour un petit peu mieux comprendre ce système et savoir ce qu'on peut en tirer. Le premier principe du DC Training est la fréquence élevée. Ici, on va chercher à travailler un muscle deux fois en l'espace de 8 jours. Par exemple, au lieu de faire un développé couché une fois par semaine, vous le ferez 3 fois toutes les 2 semaines. Le but est de permettre un maximum de stimulation et donc plus de croissance sur ces 2 semaines. L'une des caractéristiques principales du DC Training est l'utilisation du rest pause. La méthode du rest pause, justement, c'est de prendre une série où on va atteindre l'échec, attendre 10 à 15 secondes en prenant des respirations profondes pour récupérer et réattaquer la série une fois de plus à l'échec. Mais Dante, lui, va aller beaucoup plus loin. Il prend une seule série par exercice, il fait un rest pause et il rajoute autant de rest pause qu'il le peut jusqu'à atteindre l'échec total et finir le muscle. Ça va lui permettre d'avoir beaucoup de reps très lourdes, très intenses et accumuler un maximum de volume qualitatif. Le troisième principe du DC Training est la surcharge progressive. Pour ceux qui ne le savent pas, la surcharge progressive est la volonté d'ajouter plus de reps, plus de poids, un meilleur tempo pour une performance égale de semaine en semaine pour progresser et donc créer de l'adaptation et une stimulation adéquate pour faire grossir le muscle. Pour Dante, c'est absolument crucial qu'à chaque séance, il y ait des progrès et que chaque séance soit battue par la prochaine séance en termes de performance. Et ici, lorsqu'on ne progresse plus sur un exercice, il est immédiatement remplacé par un autre pour relancer une progression. Donc finalement, la surcharge progressive telle qu'on la connaît, mais tirée un petit peu à son extrême, encore une fois par Dante, dans un souci toujours de faire plus et de progresser plus. La réalité à mes yeux, c'est que certes, c'est crucial d'avoir une surcharge progressive qui est en place et qui marche bien, mais de là à vouloir progresser absolument chaque séance, c'est pas tenable, naturel ou non. Et j'ajouterais même, pas nécessaire. Le quatrième principe est une large sélection d'exercices, une grosse rotation entre les différents exercices, et là aussi, c'est un choix pas du tout inintéressant. En fait, le programme réside sur une rotation de 3 exercices sur l'espace de 2 semaines pour un même muscle. Par exemple, pour les pectoraux, vous aurez peut-être dans la première séance du développé couché, dans la seconde du développé incliné et dans la troisième des dips lestés. Le cinquième principe n'est pas anodin et s'appelle le extreme stretching. Dante recommande l'utilisation d'étirements dits extrêmes pour booster la flexibilité et la récupération du muscle. Ces étirements, concrètement, ils visent à tenir une position étirée du muscle, assez profondément d'ailleurs, durant 60 à 90 secondes juste après une série lourde. C'est censé améliorer la croissance musculaire en étirant les fascias musculaires, en les allongeant et en boostant la circulation sanguine. Et là, les étirements, bon, ça mène toujours à débat. Quand les mettre, est-ce qu'il faut les mettre et à quelle intensité, quelle durée, quelle fréquence? Dante, lui, les réalise juste après ses séries lourdes et intenses et à l'échec en rest pause, avec justement une résistance modérée à intense sur cet étirement. Ce qui est assez intéressant et fou, c'est que ça me paraît personnellement, selon les muscles et les différentes insertions, un concept qui peut s'avérer assez dangereux et assez violent sur les tendons notamment, mais finalement, Dante l'utilise toujours, même maintenant dans sa cinquantaine et fin de cinquantaine bien sonnée, et ne semble pas traîner, tomber sur que ça
ou alors, bah, je le sais simplement pas. Le sixième principe est un volume d'entraînement réduit au minimum pour une intensité de travail maximale. Le DC Training est de fait un format d'entraînement dans lequel il y a très très peu de volume, mais on joue plutôt sur la fréquence et l'intensité des séries. Pour Dante, ça a simplement pour but de prioriser la récupération et de maximiser l'intensité durant l'effort, parce que chaque série et chaque rep compte. Le septième principe est l'optimisation de la récupération. Ça, Dante Trudel ne l'a pas loupé et ne l'a pas oublié. Récupération égale reconstruction musculaire égale plus de masse. Il faut pas en effet faire plus à l'entraînement, mais surtout faire bien et derrière en récupérer. Ainsi, dans le DC Training, malgré que l'entraînement soit très intense, il y a une grande priorité faite à la bonne planification et organisation et attention donnée à la nutrition et à la récupération, pour justement pouvoir repartir plus rapidement à la salle et ayant totalement récupéré. Dante, sur ses réseaux sociaux, partage beaucoup de compléments qu'il recommande, tels que le collagène hydrolysé, le jus de grenade, l'arginine et bien d'autres à prendre autour de l'entraînement pour à la fois la longévité, la santé, mais également la récupération tendineuse, osseuse et musculaire. Je viens donc de vous donner les 7 principes qui constituent le DC Training, le Dog Crab Training de Dante Trudel, et tout de suite je vais vous partager un entraînement un peu type de cette méthode-là. Donc finalement, quels sont les points forts du DC Training? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif? Bah déjà, premièrement, évidemment, une haute intensité. C'est vrai que c'est un format d'entraînement très très bas en volume, mais assez haut en fréquence et en intensité. Donc c'est très intéressant pour construire rapidement du muscle et donner une réelle sensation à son corps, un réel besoin d'adaptation rapide. Il y a aussi la surcharge progressive qui est quand même pas mal mise en avant, ce qui est un point assez positif, même si je trouve que la façon dont c'est fait est certes un peu tiré à l'extrême, mais tout de même, ça reste un point crucial de se dire et de se driver en se disant « je doit faire mieux ». On trouve aussi une certaine flexibilité dans le choix des exercices, mine de rien. Si on a 3 exercices différents toutes les 2 semaines pour un même muscle sur lesquels on doit vraiment performer, on a le choix de choisir un sur lequel on est vraiment à l'aise, sur lequel on a un excellent ressenti. Et de l'autre côté, quelles sont les limites du Dog Crab Training, du DC Training de Dante Trudel? Moi j'en vois plusieurs, notamment une qui n'est pas tellement un défaut d'une qualité mais qui est un fait, c'est le gros focus sur l'intensité qui exclut forcément les débutants d'utiliser cette méthode-là. C'est bête et simple, mais ce degré d'échec qui est constamment recherché avec ce volume d'entraînement très bas nécessite une excellente connexion neuromusculaire, chose qu'un débutant n'a pas autant qu'un avancé. Et du côté de l'avancé, là aussi il y a des risques. Bah finalement, il peut très bien justement faire trop, c'est-à-dire ne pas bien récupérer et tomber dans un surentraînement tellement l'effort local et général est poussé à son paroxysme. Mais encore une fois, ça peut être tenable, il faut simplement en fait en être capable et surtout bien doser aussi l'intensité des étirements et des séries. J'abordais aussi le petit sujet à débat à mes yeux qui est les étirements extrêmes, les extreme stretch, qui en effet à mes sur des muscles courts ou des muscles un peu fatigués à répétition peut finalement devenir assez risqué, surtout certains qui sont réalisés avec une charge comme les écartés poulies en statique avec les haltères. En résumé, je trouve que le Dog Crab Training est un format d'entraînement vachement intéressant. On a beaucoup d'intensité en peu de temps et c'est un grand défouloir, surtout pour les avancés qui peuvent en tirer tous les profits. Et en plus de ça, ça crée pas mal de gros physiques. Alors on peut toujours se demander dans quelle proportion l'entraînement a-t-il joué un rôle, etc. Parce qu'il y a évidemment l'environnement, il y a évidemment la qualité d'application, il y a le mental, il y a la nutrition, il y a les produits, etc. Mais finalement, il a quand même généré des champions, il a quand même été suffisant pour créer des champions. Donc ça c'est intéressant de garder ça en tête. Pour moi on peut en tirer une grosse leçon, c'est que l'effort et la qualité d'effort prime. L'effort et la qualité d'effort parfois suffit largement comparé à beaucoup beaucoup de volume. Comme je vous le dis souvent, il s'agit pas de faire tout le temps plus, toujours plus s'investir, etc. Mais voir dans quoi s'investir paye et d'autant plus s'investir et double down the investment dans ce qui justement marche réellement. Son défaut, même s'il est à mes yeux assez mineur, semble résider dans son parti pris un peu extrême. Est-ce qu'on gagnerait pas à avoir un peu plus de volume? Est-ce qu'on gagnerait pas à s'économiser ou à risquer moins de blessures en allant moins loin? C'est une question de jauge et une question de personne, mais de manière générale, il fait quand même sens et il est assez intéressant, mais je vois pas tendance à l'appliquer au sens strict. Je me suis déjà grandement inspiré du DC Training pour créer certains formats d'entraînement, je pense notamment à celui d'Ilan il y a quelques années. Ça nous avait donné beaucoup de résultats parce que je savais qu'il était capable de mettre l'intensité pour en tirer justement les bénéfices. Mais j'avais pris quand même pas mal de liberté et c'était en sachant que Dylan avait assez d'expérience et s'entraînait réellement dur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et donc il pouvait en tirer des bénéfices même avec moins de volume. Je l'avais dans son cas adapté avec une séance lower et une séance upper, et dans chacune des deux séances on avait un exercice globalement par muscle avec plus ou moins une série par muscle, là aussi réalisé en rest pause. Mais la fréquence et le volume d'entraînement étaient légèrement plus haut que le DC Training de base parce que finalement on faisait upper lower et qu'on les faisait régulièrement. Parce que la réalité c'est que c'est ça la clé d'une programmation d'entraînement qui réussit et qui perdure et qui donne de ce fait là d'excellents résultats. C'est une programmation d'entraînement qui est réellement adapté et bien dosé entre le volume et la fréquence. Un programme d'entraînement qui vous convient à vous et qui vous donnera des bons résultats.
résultats et qui évolue comme il se doit sur le long terme. Ça, on te l'apprend justement sur l'Imperium, donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la bio pour saisir ta place avant qu'on atteigne les 500 places ou alors qu'on atteigne le 31 décembre et qu'on ferme complètement nos portes. Je te le rappelle, on a 6 formations offertes, dont 4 sur les 6 qui justement t'apprennent à construire chacun des 4 formats d'entraînement crucial que tu dois absolument connaître. Donc clique sur le lien dans la bio pour t'assurer d'avoir ta place avant qu'on verrouille tout.